Ok. Ah voilà. Je me disais, on m'entend pas, c'est bizarre. Voilà. Là, c'est bien là. Je vais même baisser un tout petit peu la sensibilité de mon micro parce qu'il a l'air fort. Voilà. Alors, ce soir, petit live tranquille hardcore. C'est bizarre dans la même phrase, hein. Voilà. Bon. Petit changement au niveau du live. Voilà. J'ai changé un peu l'interface. Je me suis dit que c'était plutôt cool. Je me suis donné hein, pour faire un truc propre. Donc j'espère que ça plaira. On verra. On verra ce que ça donne à la rediff. Moi, personnellement, j'aime bien. Ça coule. Et comme je disais, à voir ce que ça donne. Bien évidemment. Hop, je vérifie que tout est OK. OK, moi, ça m'a l'air plutôt bon. Alors, vous risquez de m'entendre parce que je vais lancer. Je vais regarder mon live vite fait, voir ce que ça donne. Couper mon son. Il est déjà coupé, c'est parfait. Non, en vrai, ça rend bien. Ok, ouais, ça rend bien. Tarpie, hein. Hop, on fait comme ça. Et là, on va là. Et c'est parti. Hein. J'ai repris la même seed hein, que l'autre survie. Elle était bien. Allez. Allez le monde, charge-toi. C'est parti. Hein. Ok. Je sais pas si ça lag sur le live. On verra bien. On va regarder ça. Tac, on va faire comme ça. Comme ça. Voilà, hop. J'ai peur que l'encadré fasse lag un peu le live. Un truc propre, donc ce serait bête. Non, ça m'a l'air plutôt propre. Ouais, ça va en vrai. Aïe, ça commence bien. Voilà, allez, c'est reparti. Voilà, on a un peu de bois. Allez, on va trouver un village.
à trouver un endroit où se caler en vrai. On va prendre la canne à sucre un peu plus loin là-bas. Je pense que là on a un bon départ. Ah oui, si, je voulais faire ça, voir option graphique. 100 FPS, c'est bien. Ok, non, on est bien là. Et c'est un petit peu, ça sert à rien d'avoir trop. Allez hop. Toujours plus de canne à sucre, hein, bien évidemment. Ça sera utile. Hop, on traverse la forêt. Ok, là il y a une Dark Oak Forest. Pas trop mal. Ça, c'est si on veut vraiment beaucoup de bois. Là, il y a une plaine. Pas mal là. Salut, Noisetti, et bienvenue. Je vois que c'est ton premier message. On va prendre un peu de cobalt. Ouais, ça va, et toi? Eh ben écoute, je pense que tu tombes sur le bon live. Moi, c'est tranquille. Pas de... Enfin, c'est du hardcore, quoi. Après, pas dire que c'est pas trop chill, mais voilà. Début de survie, tranquillement. Pas de gros objectifs pour le moment. Pour le moment, c'est plus... On va essayer de se trouver un village tranquillement, se balader. Discuter tranquillement aussi. Faut que je trouve de la bouffe. Parce que ça devient un peu chaud là. Alors je sais pas, les animaux ils ont passé un accord.
pour tous disparaître. Ah, ça m'embête. Ah, je peux même pas nager vite. Ah, c'est horrible. Elle est où la nourriture là? Bah ouais, c'est clair, c'est ça en fait. Il y a zéro nourriture. Genre les animaux, ils ont, je sais pas, ils se sont dit, allez, à la génération du monde, allez, on va pas lui mettre de nourriture. On va se débrouiller comme ça. Pas ouf, hein. Ouais, en plus, le pire, c'est que vu qu'on est en hardcore, il n'y a même pas de poissons en fait. Ah si, il y en a quelques-uns, ouais. À la limite, ouais, 2-3 poissons crus juste pour remonter un peu ma barre. Mais je vais mourir d'étouffement en fait. Je peux même pas aller vite pour les rattraper. Ils sont en train de me narguer là. Allez, venez. Crevez. Allez, viens. Ah, c'est bon. Je l'ai eu. Ah ouais, ça va être chaud. Les poissons, c'est horrible. Salut Noctalie. Et bienvenue. Et en plus, je me fais agresser. Bah, ça va super, et toi? Oh, du poulet. C'est un caprice. Poulet. Ah, comment ça, bof. Mais le pire, c'est que j'ai même pas récupéré le poisson, mais non. Le pire. C'est moi qui l'ai fait venir. Ah, yes, bah merci. D'accord. Je vois. Donc, je suis complètement exclu du truc quoi. Ah là, je l'ai eu le poisson. Je vais mourir. Waouh. C'est bon, j'ai du poisson. Mais elle veut pas dormir en plus, même si elle est pas bien. Ah, malade. Ouais, quand on est malade, faut se reposer. C'est important. Et ben merci, du coup, pour le follow. Merci beaucoup. Je veux pas. Ah. Ah, effectivement, si tu veux pas, après. J'aime les nuits blanches. Ah ouais, bah, pas moi. Ah ouais, un rhume en été, c'est clair. C'est vraiment quoi, il n'y a pas de chance quoi. Si ça, je vais le prendre. J'en prends une, c'est pour après avoir en illimité de les colorants rouges. Bon allez, les villages là. En plus, il va faire nuit. J'ai pas trouvé de moutmout. J'ai vraiment pas de chance. Ce début de survie est catastrophique. D'accord. Les moutons là-bas. C'est parti, hein.
Après, il me faudrait trois moutons de la même couleur. Oh non, pas ça. Eh bien. Oh, mais ils sont 40 000. Au secours. Non, laissez-moi. Oh, je peux plus courir. Au secours. C'est bon, ils m'ont laissé tranquille. Ah non. Oh, mais je crevais. Waouh. Fais un trou pour passer la nuit. Bah, dans l'idée, c'est le mieux à faire, mais... Là, j'arrive à graille. Je crois qu'on va remonter comme ça. Hein. On va faire ça, hop. Parce que là, je viens de perdre quasiment toute ma vie. En si peu de temps. À tout moment, là, il y a un squelette qui arrive et fait coucou. Tiens, une flèche dans la tête et je meurs. Tu connais les conditions pour que je dorme? Ah. Il y a des conditions, quoi. À la limite, il faut signer un contrat. Ah, il y a tout un tas de trucs. On va remonter comme ça. Hein. Non, à l'aide. Comment ça, à l'aide? Comment ça, non? Ah. C'est pas prévu, ça. J'aimerais bien ressortir de là. J'ai pas envie de dire ouh. Mais tu viens de le faire en fait. Ah ouais, en vocal. Ah oui, je me disais. C'est ça le truc, c'est que t'as pas envie de le dire, mais tu viens de le faire. Ah, je sais pas. Me mouche. Ah ouais, d'accord. Très intéressant. Alors, si je sors ma tête du trou et que je me prends une flèche, j'ai le seum. Du mob par là? Il n'y aurait pas qu'il y a de mob. Il n'y a pas de mob, c'est bon, je peux sortir? Genre, vraiment? Je vois pas de village en fait, c'est horrible. Il y a un squelette, je suis mort. Il y a des squelettes ou pas? S'il y a des squelettes, je m'enferme. Là, il y a un zombie, donc ça va. Un squelette. Bon, il m'a pas vu. Alors, je sais pas pourquoi, mais ce début de survie, il... Ah, je sais pas, il est bizarre. Je sens que je vais mourir. Assez rapidement, d'ailleurs. Ah, je peux pas poser de bloc. Oh non, mais c'est mort, il y a des squelettes partout. Voilà. Ça, c'est la cabane la meilleure dans Minecraft. Avec 9 de dirt, on se fait la meilleure maison. J'ai entendu un squelette par là. C'est horrible. Il y a un squelette. Oh, il a chargé son arc, j'étais là. Oh. Ok. Hop là. Monsieur, vous me laissez tranquille, s'il vous plaît. Voilà. On va dire que j'ai ma petite cabane de survie.
Bah ouais, j'ai pas de bouffe, c'est horrible. Je peux pas manger les rosiers? Ah bah, elle a cédé sous la pression. Je sais pas, je peux manger une bûche de chêne à tout moment. Il veut pas la manger? Non. Je sais pas, il arrive à casser des arbres à la main, il pourrait les manger, les arbres à la main, avec sa mâchoire en acier. Elle est pas bien, faut qu'elle dorme. Ah ouais. Allez, la nuit passe. Les nuits dans Minecraft, c'est tellement long. Il est où ce machin là? Je sais pas où il est. À tout moment, je me prends un squelette en screamer. Et je suis à un bond de 20 mètres de hauteur. Je sais pas où il est. Monsieur? Il me reste un dirt. Ah ouais. Pourquoi j'ai fait ça aussi, moi? Quelle idée j'ai? Hein, maintenant que j'ai eu mon robot. Bonne soirée. Eh bah, bonne soirée. Merci d'être passé. Comment je vais faire pour sortir de là? Bonne nuit, Capricorne. J'entends des araignées, j'entends de tout. Mais à tout moment, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est pas la bonne idée. Ah. Hop, on va remettre ça là. Hein. Ouais, le feuillage, il est en train de tomber. Ah, le jour se lève. Ah, c'est bon signe, ça. Ouais, mais ils vont s'abriter sous les arbres. Vite. Faut que je me taille de là. C'est bon. Je vais prendre des dégâts de là. D'accord. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur quand même. Hein. Hop, 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 hop. Là, on va sous la flotte. Ouais. Le jour. Bah ouais. Le poisson fait le cuir. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Oh, y a des moutes-moutes. J'allais les tuer. J'ai pas le choix en fait. Désolé de la cruauté par avance, mais là c'est une question de survie. Ah, il m'a lâché de la bouffe. Yes. Où les autres? Petit mouton. Alors là, il y a un bébé mouton. Je vais pas le tuer parce que ça sert à rien. C'est que de la cruauté. Hop. Voilà. On va en profiter pour. C'est pas grave, je vais le manger cru pour le moment. C'est la seule bouffe à l'horizon. C'est clair. Ah là, faut que je régène un petit peu, quoi. C'est bon. Là, je peux survivre à une flèche. Surtout, il faudrait un autre mouton de la même couleur. Et j'ai que des laines de différentes couleurs. Je peux pas faire de lit. Il faut que je trouve ce villageois. Ah, c'est ça. Je crois que je vais faire un arc-en-ciel avec à force. T'es peur. Tellement résistant à un porc. Au secours. Venez là, les peurs. Il est où l'autre? Il y en avait un dernier, j'ai pas rêvé. Essaye de m'échapper en fait.
Ouais, ou alors j'ai rêvé, peut-être. Éventuellement. D'après la légende, si je fais 3 tours sur moi-même. Oh, mais j'ai failli tomber! Que je suis 3 tours sur moi-même. Que je saute dans le vide et que je meurs. Je peux avoir bouffe illimitée. Ah, il y en avait bien un autre. Ah ouais, quel chenapan. Mais je suis un abruti, j'ai lâché le bouton sneak au lieu de lâcher le bouton courir. Non, mais là, c'est grave quand même. Hein. Là, à ce niveau-là, faut arrêter le hardcore en fait. Y a combien de monde hardcore? Faut arrêter au bout d'un moment. Mais non, mais c'est pas grave. En vrai, l'acide, elle était éclatée. Y avait pas de bouffe. Y avait rien. Ah non, c'est là. Voilà. Hop. Allez. C'est reparti. Voilà. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça en fait. Hardcore Live Essai 8564. Allez, c'est reparti. Mais ouais, mais non, l'acide, elle était pas bien. Il y avait pas de bouffe. C'était horrible. J'ai spawné dans une forêt. Non, mais voilà, c'est. Allez, bonne seed. Bah, faut espérer. Mais si j'ai pas une bonne seed. Eh ben, bah, je peux rien faire en fait. Je peux rien faire à part me dire bon bah rip. Village qu'il faut là. Ah, imagine je spawn dans un village. Mais quel truc parfait en fait. Village, village, où ça, où ça, où ça, où ça? Se calmer. En vrai, ce fail m'a coûté quand même la mort. Ah, ça se trouve, il y en a un à 200 blocs à peine. Hein. On sait pas. On peut pas savoir. Ce serait bien. Serait parfait, genre vraiment parfait. Non, mais après, s'il y en a vraiment un à 200 blocs, on va croire que c'est scripté. Oh, j'ai eu peur, je crois qu'il y en avait un. J'ai flippé pour rien. Enfin, flippé, non. Flippé est un bien un grand mot. Ah, là, on est d'accord. Là, il y a de la bouffe qui traîne dans les parages. Tac-tac, on va faire comme ça. Comme ça. Fais la pioche. Pourquoi je creuse sous mes pieds là? À tout moment, je mourrais comme ça, moi. C'est bon, je mets 6. Hop. Comme ça. Heureusement car il n'y avait pas de bouffe avant. Exactement. Non mais je crois que j'aurais pété mon crâne s'il n'y aurait pas eu de bouffe. Ah bah super. Ouais, même dans Minecraft il y a des feux de forêt. Non mais ça suffit au bout d'un moment. Et viens là. Une. Et là il y a des moutons de la même couleur. Ah oui. Oh là là. Ah, moi je décime tout le monde là. Il n'y a aucune pitié. Avec un peu de chance, on aura même le luxe de se faire un lit de couleur quand même. Ok. J'ai pas assez de bois.
Un lit blanc, c'est moche quand même. Hein. On va faire un lit différent. Non, parce que voilà, quoi. Moi, il me faut un minimum de luxe. Et ben voilà, du rouge. Parfait. Alors là. Ah, si avec ça, on n'est pas luxueux. Petit lit rouge. Hop là. Oh, il est beau. Non, mais là, on revient aux bases, quoi, le bon vieux lit rouge. Hop, encore un de moins. Une plaine. Ah, oh, ça sent bon, ça. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ce serait une jungle. Attends, il y a une jungle, là? Non, même pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien. Et avec un peu de luxe, on peut même s'en faire un jaune. Non, jaune, en vrai, les lignes jaunes, ils sont moches. On va reposer cette fleur. J'ai rien déforesté. Une vache. J'ai même pas eu de cuir. Quelle radine. Ça sent le village, ça. Bah, j'espère quand même. Alors, ça sent pas le village, mais ça sent des montagnes, mais genre abusées. Mais attends, on va faire un truc. Ah, oh, c'est beau. Ah, oh, c'est quand même magnifique. Hein. Oh, désolé, c'était tentant. Des poulets. Alors là, c'est l'heure de mourir. Mais comment ça, je l'ai pas one shot? Non mais. Ah, les hautes herbes, qu'est-ce que c'est infernal? Ouais, des petits tenders là. À base de poulet tout frais. Bon, le poulet en vrai, il doit plus être très frais parce que quand tu regardes que tu peux garder sur Minecraft sur une durée indéterminée du poulet ou de la viande crue, j'imagine même pas le goût que ça doit avoir. Surtout quand il se balade dans un désert. Ah, j'imagine même pas le goût. Genre une bonne viande avariée. Je me suis jamais posé cette question. Bah moi si, tu vois. C'est des questions bêtes. Hein. Alors là, il se balade avec un... Enfin, imagine, tu croises quelqu'un dans la rue qui se balade avec un steak de porc dans les mains comme ça. Ah, je sais pas, il y a un moment, tu te poses des questions quand même. Tu te demandes si le mec, il est pas... malade dans sa tête. Et là, tu le vois taper son meilleur croc dedans. Et là, c'est spécial, monsieur. Faites pas ça. Et avec un peu de chance. Ah ouais. Trop fort. MLG Liane. Aïe. Le lac. Mais là, c'est un lac qui ramène aux enfers, en fait. Ouais, c'est ça, ça ramène aux enfers. Ça me dégoûte. Plein de verre dans la bouffe. C'est un peu ça. Et surtout que là, il est en train de nager dans une eau qui est en train de croupir depuis 28 années, là. Et qui se balade avec son steak dedans. Tout va bien. Minecraft est fait de sorte à ce que tout soit bien réaliste. T'es mal le bambou. Pluie de bambou. Le bien, c'est que j'allais faire une connerie à dire qu'il y avait du bambou ici, mais dans une autre version de langage. Il faut que je fasse gaffe, en fait. Je vais me faire une maison en bambou. Non, je vais adopter plein de pandas. Et après, je chevaucherai. Le must, ce serait d'avoir un temple.
Minecraft, c'est logique, tout le monde le sait. Bah oui, c'est ça. Les montes. Mais pardon, le poulet, tu me résistes pas, reviens là. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Oh, j'ai eu de la chance. Ah, là j'en ai eu moins. Bon, les villages là, vous êtes où? Parce que si les villages sont partis en vacances, j'imagine un village se déplacer. Bizarre quand même. Ou un panda brun, ce serait vraiment trop bien. Et ben, si j'en trouve un, je m'installe près de lui et je lui fais une maison en bambou pour le fun. Du melon, de la bouffe non avariée. Voilà, bon, j'imagine pas le jus qui doit dégouliner de son inventaire. Parce qu'il faut se dire qu'il met ça dans ses poches quand même. Il a des sacrées poches. Oh, mais vraiment là? J'ai cru entendre un perroquet rigoler. Non, 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 non! J'ai flippé. Je me suis dit, c'est la fin. Encore. Oh, j'allais sauter, c'est pas le bon plan. Pourtant, je suis plutôt bon en jump, et là, je sais pas. Y a-t-il un village dans les oraisons? Alors, imagine, il y aurait dans des nouvelles versions. Village dans la jungle, dans les arbres et tout. Ouais, relié par des ponts de singes et tout. Ah ouais. J'imagine trop le truc. Il est beau celui-là. Bref, c'est l'heure de pioncer. J'ai le bras cassé quand je dors. Mon lit rouge, non! Oh, oh, ce fail! En faut, j'ai de la bouffe. Ah ouais, d'ailleurs, on va utiliser le melon. Voilà, pas steak. Ça donne tellement pas de bouffe. Voilà. C'est bon. Je régène tranquillement. N'aie de crainte. Je vais pas mourir. Moi, je meurs jamais. De toute façon, il n'y a aucune preuve. Et je suis déjà mort. Mais là, là, s'il n'y a pas un village par là, je comprends rien. On regarde ce que je viens de voir. Si je tourne légèrement la tête par là. Là. Let's go. Non, mais je meurs pas, moi. Un village. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bien. Je suis content là. Il est où le golem? Alors, faut savoir, la dernière survie, j'ai à peine tapé le golem, il m'a riposte instant, en fait. Donc je suis mort comme ça, en fait, dans l'ancien hardcore. J'ai pas compris pourquoi.
Ouh, moi je joue avec le feu, moi. 1, 2, c'est 2 hein, de hauteur, hein. Ah, je déconne. Allez, c'est l'heure de crever. Allez, m'a fait peur. Bah oui, je suis pas malade. Hein. 4 de fer. Mais alors là, normalement, il peut y avoir une forge. Allez, s'il vous plaît, une forge. Ok, du pain, ça c'est très bien. Des pommes, c'est encore bien. Hop, allez, c'est parti pour piller le village. Pas de pitié. Un livre, très important pour la suite. Retable d'enchant et tout le tintamarre là. Allez. Pourquoi je peux pas? Allez, on rentre. Bah, je crois qu'on va setup un petit. Oh oui. Du pain. Ouais, quand même 13 pommes. C'est énorme. Yo. Hein, à la pioche. Bah ouais. T'as pas le time. Bon, c'est un tout petit village. Il est un peu éclaté au sol. Mais on va pas se plaindre. Parce que... Ah, parce qu'en fait, j'ai un village quand même. J'en ai rien à faire. Dès lors que j'ai un village, je suis heureux. Même s'il est éclaté au sol. Les fleurs dans les coffres. Elles doivent pas être belles à un moment donné, les fleurs. Bah, c'est clair. Ah, mais si on part sur la logique de Minecraft, explique-moi mon inventaire. J'ai dû faire de la bouffe, des bamboules, des graines. Mais il a pas de sac, hein. Un établi, des planches. Le gars, il a plus de force que n'importe qui au monde. Bah voilà, hein. Moi je dis c'est bien là. C'est quoi ça? Faut que j'aille voir. Ça me perturbe. Une espèce d'ombre. Ah, c'était un chat. Viens là. Je vais le tuer. Non, mais je rigole. Je vais pas le tuer. Pauvre Minou. On va pas le tuer. Il a rien fait. Oh, j'avais oublié ce détail. Je fais aspirer mon âme. Alors, il faudrait que je commence par. Déjà. Peut-être. Je sais pas, m'installer dans celle-là. Elle est bien comme maison. Non, en fait, elle est toute petite. Celle au début là-bas, elle est bien. J'ai plus de hache. C'est là, c'est trop bien. Est-ce que je suis la pioche en fer ou pas? Pioche en fer ou hache en fer? C'est quoi le mieux d'après toi? Je vais faire la. Faire, je vais faire la ou en fer. C'est le meilleur. En faire deux même. Ouais, on est d'accord. Hein, la pioche, ça reste le meilleur. De toute façon, du fer, on va en avoir d'autres. Pas le problème. N'est point le problème. Ouais, le seul arbre qu'il y a dans le village, je le détruis. On va s'installer ici, je pense. Parce qu'il y a un coffre. Ranger ça. Allez. On va dire que ça, c'est le coffre de début, donc on a le droit de mettre le bordel dedans. Alors, par contre, je vais m'imposer, mais boli moche, ça dégage. Et moi, je mets boli rouge. Et ça, on va en mettre un là et un là. Voilà. On les met à laver. Les villageois, ils ont dormi dedans, ils ont sué et tout. Horrible. Mettre ça là 2, tac, on va aller chercher de la stone, enfin de la pierre, la cobble, on va faire des fours, après avec les fours,
On va faire cuire des trucs. Après, avec les trucs cuits, on va utiliser ces trucs cuits pour faire des trucs. Et après, avec les trucs, on va faire des choses. Et une fois qu'on aura les choses, on pourra continuer l'aventure pour continuer à faire des machins. Les machins donneront des bidules. Mon raisonnement paraît si bien. En faire deux. On va mettre les fours ici. Comme ça, j'aurai bien chaud la nuit. On va faire une hache. En faire deux. Une pour le couper du bois. Et une pour taper des mobs. Ah non, mais chaque hache a sa fonction, hein. Bien évidemment. Un œuf. Eh, tu veux l'œuf? Bah, tu l'auras pas. Attention, attention, petit poulet ou pas? S'il y en a un, je le tue. Bah, ça va, il a de la chance. Eh, les villageois, regardez ce que je fais à votre arbre. Et là, je défonce l'arbre, et là, il y a un golem qui arrive et il m'éclate en mode tu détruis pas la forêt. Ok, moi je vais avoir des villageois pour trade. Il faut que je fasse une fletching table. Ça, on va le récupérer. Je casse à la main. Vraiment, quoi. Faut arrêter au bout d'un moment. Truc, machin, chose, bidule, très compréhensible au français. Exactement. Voilà, j'ai de la place. Alors, on va juste trier ça, ça dégage. Ça. Qu'est-ce qui peut dégager? Bah, rien d'autre. Allez, vu que je suis gentil, une petite ici, une petite là, une là, et une là. Voilà. On va dire que ça compense l'arbre coupé. Peut-être, en fait. Ah oui, si. On va être gentil. On va être gentil avec les villageois. Et comment ils ont mis un arbre si on peut pas le faire pousser? Et des fois, la logique, elle me tue. Voilà. Même en mettre un là. Non, mais moi je casse un arbre, j'en mets 10. Ah ouais, non, mais la beauté là, elle est. C'est inégalable. Hop, un ici, un là, un là, un là. Et un là. Comme ça, ils ont leur petite forêt personnelle. Les graines, je m'en fous. Oh, d'ailleurs, ils ont des champs. Ils ont quoi d'autre? Ça, c'est quoi? C'est des carottes. Merci pour les carottes et les patates. Bon, alors là. Ça, par contre, j'en veux pas. Allez, hop. Ça, ok, on récupère. Ils planteront dès à présent que du blé. Et des betteraves. Hop. Voilà, les 4 patates quand même. Hein. T'auras du bois. Bah oui, c'est ça en fait. Ah mais ça, faut pas le dire. Faut faire genre. Par contre, je suis pas d'accord. Non, 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 non. Oh, il est rentré. Non, c'est mon lit. Cassez-vous, c'est mon lit. Oust, c'est mon lit. Bande de voleurs. Mais what? Attends, il est possédé le frérot là. C'est très étrange. Non mais laisse mon lit, casse-toi. Alors là, il était possédé, je crois. Il a. Allez dormir ailleurs là-haut. Ah, c'est crade. Comment on fait une fletching table? C'est 4 de bois et des silex de souvenirs. Non mais arrêtez avec ma porte. Et je vais mettre une porte en fer, hein. Ils ont cru que ma porte c'était un mini-jeu pour eux. Est-ce qu'il y a du gravier dans le coin? Oh, ça c'est intéressant. Ça aussi c'est intéressant. D'ailleurs, on va le récupérer.
Ok, bah, je vais pas pouvoir en récupérer beaucoup parce que c'est dans la flotte, c'est chiant à casser. Je me demande bien où est-ce qu'il y aurait du gravier, bien évidemment. Ah, je sais pas où il y a du gravier, c'est énervant, hein. Ah, je crois qu'il n'y a pas de gravier par là, hein. Non, je pense pas, hein. Non, il n'y a pas de gravier par là. Je déconne. Moi non plus. Je sais pas. Genre, c'est vraiment là, c'est un live d'aveugle. Ouais, je pense que du gravier, j'en trouverai dans les déserts. Et bah voilà. On pourra manger des carottes. D'ailleurs, j'ai cru voir que la maison était pas mal située parce qu'elle est pas très loin de la grotte, enfin de la montagne derrière. À terme, il y a moyen de faire un petit couloir et après, paf, faire une base dedans. Alors, je sais pas, je vais voir. Et par contre, les refs, bougez de là. C'est chez moi. Allez. Une table d'archerie. Carotte dorée, une des meilleures bouffes. Bah ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, là, je compte faire un truc. Je vais creuser. Je vais faire une espèce de base avec des champs. On enfermera des didiers, des champs. Voilà. Et voilà. Eux deux. Quoi? Non. Je vais le tabasser. Tombe, tombe, je t'ai dit. Voilà, et bien. Hop, on va faire. On va faire une trappe. Et je quand même, je suis pas un ouf. Pas le laisser à l'air libre comme ça. Là, il y a un. Ah bah d'accord. Allez les refs, prenez le métier. Oh, je suis trop haut, c'est ça. Comment je peux switch de bloc assez rapidement? Allez. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire ça. Et ça. Ah ouais, c'est le truc du bled. Voilà. Il me propose quoi? 32 bâtons. Il voulait pas le laisser seul. Un vrai pote. Exactement. Y a pas moyen d'avoir mieux. Non, c'est 32, hein. Oula. Ah non, mais c'est pas ça que je veux faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va procéder? Ah non, il propose des trucs nazes, hein. Non, mais je retournais sur l'autre où il y avait les flèches, là. C'était bien, en fait. Je veux bien ma table. S'il vous plaît, les rails. Oh bah d'ailleurs, on va la mettre là. Oh, non, 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 non. Waouh. J'ai cru qu'il allait mourir. Ils peuvent pas de là. Vraiment. Nul. Ah bah voilà. Bon, vous deux, je vous garde. Il y a que 32. D'accord, je savais pas. Je croyais qu'on pouvait avoir moins. Bon bah, l'heure de la déforestation. En plus, j'ai l'avantage d'avoir une jungle à côté. Genre vraiment, quoi. Et c'est quoi cette armée de vaches? Ok, on a une partie où il y avait rien. Là, on a une partie où il y a beaucoup.
On va en profiter pour récupérer ça. Je l'avais oublié, la jungle. Eh ben, pas moi, tu vois. Allez, on mine un peu de charbon. C'est le cas de le dire, là, on charbonne. Voilà. Le fer, j'en ai pas besoin. Oh, je déconne. Fer, c'est trop important. Ok, la jungle, elle est où? Elle est là. Et mais je vais me ramener avec des milliers de stacks de blocs, là. Oh, je vais partir de dos dans 5 minutes. Moi, je suis fatigué. Mais il n'y a pas de souci. Ok, merci d'être passé. Faut pas hésiter, hein, j'ai un Discord avec le point d'exclamation Discord. Comme ça, bah, informé de quand je suis en live. Pas de souci. Pas de souci, c'est toi qui gères. Tu repasses quand tu veux. Allez, l'heure de la déforestation arrive. Là, c'est le moment tellement pas intéressant du live. Ou bah, on coupe du bois, quoi. Ah, il y a moyen que je fasse une deuxième fletching table et qu'avec un deuxième villageois, j'ai d'autres trades de bâtons. Je sais qu'il y a une limite. Alors elle est horrible cette limite. Ça va me prendre 800 ans à tout couper là en fait. Si je peux récupérer quelques pousses, ça m'arrangerait en fait pour faire des moi-même des arbres, genre chez moi. Waouh. Je vais rejoindre le je viens de rejoindre le Discord. D'accord. Ok, bah c'est parfait. Comme ça, t'es informé temps et en heure de quand je suis en live. Ah, oh, la nuée est en train de tomber. Va falloir que je me grouille à finir de couper cet arbre. Bon, bye. Eh ben écoute, ouais, bonne nuit. Et puis, à une prochaine. Et tout, mon village. Je suis le pire.
Je l'ai perdu. Je crois que c'était par là. Je sais plus si j'ai traversé de l'eau. Bonne nuit. C'est par là, sûr à 100%. Non, laissez-moi. Je peux pas mourir, ouais. Trop jeune. Je suis sûr, il y a un villageois qui est en train de squatter mon pieu. Si c'est le cas, je lui pète la tête. C'était sûr. Et c'était sûr en fait. Hello les boys. C'est parti. Voilà. Non, faut que je le valide avant. Ah ouais, c'était sûr. Nickel. Nickel, nickel. Et là, du coup... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah écoute, si tu veux. Bah pourquoi pas, en fait. Je me suis enfermé. Là, il faudra que je mette théoriquement un bloc plein. Non. Ça. Ilex. Allez, apprends le métier. On va le buter à force. Hein. Pourquoi je peux pas la mettre? En plus, monsieur est exigeant. Toi, tu l'as déjà. Bon, c'est pas grave. Il mettra autre chose. Voilà. On peut mettre les émeraudes. Non, les bâtons. On va retourner au niveau de...
au niveau de là-bas, de la jungle, récupérer les pousses. Ça peut toujours être intéressant. Allez voir ça. Le mieux, ce serait d'avoir un name tag. Ah mais non, un bateau. Est-ce que les mobs despawnent dans les bateaux? Un doute. Un doute sur cette information. Ah, c'était sûr. Il est où l'orbe que j'ai défoncé là? Oula. Je sais plus. Il faut que je récupère au moins 4 pouces. Mais au moins, même pas. Ah bah il était là-bas mon arbre. Je le reconnais. Vu qu'il vole. Elle a pas dû se décomposer, ce qui reste des troncs. Ah zut. Ils veulent pas me donner de pouce, hein. Une. Déjà une sur les quatre. Et encore 3. Peut-être pas les radins. Une pomme, ça c'est bien. Ah non, mais ça c'est du chêne. Et une pousse. Allez, deux. Encore deux. Et... Allez. Ah, j'étais sûr. Allez là, les pouces. Ultra long. Le taux de spawn a été réduit ou quoi?
On a les 4. On rentre à la base tranquillement. Et on voit après pour la suite. Bon, j'ai ramassé le bois quand même. Allez, hop. Voilà. Et une dernière pousse. Une pousse pour la route. Et ben voilà. Vous voyez, c'est pas si dur d'en avoir quatre. Allez, on rentre à la maison parce qu'il va faire nuit. La nuit, dehors, en hardcore, c'est jamais très drôle quand on n'est pas stuff. Nickel. On va le mettre quelque part en fait. Là, c'est bien là. Ah non, j'ai... Ah non, j'ai pas tué de squelette. Ok. Voilà. Oh. Je pensais faire une pelle. Hop là. Une pelle en fer parce qu'on est on est riche. Je sais qu'il y a un forgeron et il est dans la maison là-bas. Je crois que c'est elle. Elle a plus de métier. Monsieur. Prenez votre métier. Merci. Ah ouais, mais il change vraiment des trucs nuls. Hop, on va récupérer de la balle de silex.
Ok. En vrai, je sais pas si c'est utile. Je vais chercher à farm les silex. Je sais plus c'est combien qu'il lui en faut. Alors lui, c'est 25 et 26. Lui, il me plaît. Pour faire des torches. On va essayer d'éclairer un peu le village pour être tranquille. Ensuite, des armes. Elle est où ma hache? J'en ai fait quoi? Elle est là. J'ai eu peur. Hein. Mais c'est un fail hein, le clic droit. Bien. Parfait. Ben voilà. On va dire que c'est la fin parce que ça fait 1 heure que... Ben, un peu plus d'une heure. Et bah ben, voilà. Et c'était cool, c'est le début. De toute façon, on continuera. Bon, allez, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter bonne nuit. Et puis, je vous dis à plus tard. Bonne nuit à tous.